Oui. Coco veut jouer ? Sortir ! Maywin apprend à Coco à utiliser nos mots pour s'exprimer grâce à des boutons poussoirs. Jouer ? Maintenant ! Jouer ? Maintenant ! Maman Coco, jouer ? Maintenant ! Au-delà du jeu, c'est un véritable travail de recherche que la doctorante mène avec son border collie de 11 mois. Pour l'instant, il a appris 34 mots. Le plus utilisé, ce sont des mots très basiques, comme sortir, manger, ou caresse, ou jouer. Explorer les capacités langagières des chiens, cela fait 10 ans que les scientifiques s'y emploient. Coco veut quoi ? Tu veux d'autres choses ? Coco. Quoi ? À ce jour, Coco réussirait à associer jusqu'à 4 mots dans l'ordre pour se faire comprendre. Vachette, jouer ? Quotidiennement, j'essaye de lui apprendre des mots basiques ou plus abstraits, comme les émotions, la temporalité, tout ça, pour qu'il puisse s'exprimer avec moi, donc pour que je puisse mieux le comprendre. Réclamer une activité, désigner un jouet, les chiens les plus habiles pourraient assimiler jusqu'à 1 millier de mots, de quoi considérablement enrichir leurs interactions avec leur maître. À la base, ils ont déjà la capacité langagière. Voilà, ils savent s'exprimer de leur propre manière. Mais leurs mots, on dirait, voilà, leurs gestes, regards, tout ça, restent très limités. Taux de réussite, temps de réflexion, bientôt tous les exercices de Coco seront passés au crible pour alimenter la thèse de Maywin. Sortir ! Ok, j'ai compris. Sur les réseaux sociaux, les prouesses de Coco le chien qui parle font déjà la joie de près de 40 000 fans.